Le farceur. T'as décidé de prendre ton temps, là, non? Moi, tu sais, je commence à craindre que ton cœur n'y soit plus. Mais Jason, ça va aller. Regarde Kiss. Kiss, lui, il est tout le temps en train de pleurer. D'ailleurs, il commence à me casser les couilles. Fermez-la. Non, on a une autre leçon d'histoire à voir. Sois attentif. T'as pas oublié Zhang He et sa flotte célèbre qui recueillait des richesses pour les Ming. Tu t'en souviens? Oui, monsieur Buck, bien sûr que je me rappelle. Voilà ce que tu dois dire quand je te pose une question. Tu me réponds, ok? Eh ben, ce con de Zhang He, il a un capitaine Ling Kong. Et Ling Kong décide de disparaître avec le Shaoyang dans la Calais. Est bourré de 1000 trésors. Et il s'installe juste ici. Il a servi tous les locaux. Mais Zhang He, il est fâché, Zhang He. Et il lui ruine son empire en quelques années. Mais où est donc passé le trésor? Excellente question, petit Jason. On voit que t'écoutes. Eh bien, le trésor. Personne ne sait où il est. Il est plus sur le bateau. Hein? Et Ling Kong envoie les secours, disparu. Les chasseurs de trésors cherchent le magot depuis ce temps-là. Les Japonais eux-mêmes ont mis l'île à feu et à sang pour ça, mais personne n'a trouvé. Et maintenant, c'est à toi, Jay. Hein? Courage. Et bonne chance. Quel salaud, mais où est le trésor? C'est la question. Salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien parce que vous êtes les meilleurs, boum. Non, on se retrouve aujourd'hui pour le 12e épisode de cette incroyable aventure sur Far Cry 3. Évidemment les loulous. Bah c'est parti, on va explorer les mines, on va trouver la troisième partie de la boussole hein, du coup. Hein. Voilà. Et on va trouver, je l'espère, le trésor que personne ne trouve. Entre nous, on en a rien à foutre. Mais bah on veut sauver notre ami. Donc on va devoir se plier aux règles et suivre la marche à suivre. N'oubliez pas le petit pouce bleu évidemment. Une grotte qui demande qu'à s'effondrer. C'est formidable ça. C'est formidable. On va crever dans d'atroces souffrances. Ouais. Ouais. Je recommence déjà à trembler. Ouais. Ouais. Toi, les Japonais, les Anglais, tout le monde a eu un bout de cette île. Ouais, les connards sont barrés. C'est à nous maintenant. Allez, continuez de faire vos monologues. Là, on en a rien à foutre de vos histoires. Vous êtes des racistes. Bon, je vais vous aider à trouver le trésor, messieurs. D'accord. Sac à butin plein. Bah oui, mais je sais bien. Mais bon, c'est comme ça. Attendez, parce que sac à butin plein, on rigole, mais c'est vrai que si on a des trésors après, ça va être chiant. Donc on va acheter les trucs nuls. Là, les feuilles, là. On en a rien à foutre des feuilles. Ça nous sert à rien, ici, les feuilles. Voilà. Et photos, on s'en fout aussi. Attendez, je jette juste les photos. On en a rien à faire. Et voilà, on va garder le reste pour le moment, si jamais on jettera. Voilà. Oh la vache à la gigine. Bon, ils sont tous bourrés, hein. Ça c'est l'avantage. Allez, viens voir mon coco. Putain, je suis mal. Allez, un dernier pic. Ils sont défoncés. Hein. Bon courage hein, à ceux qui travaillent dans les mines, évidemment. Même si là, ça n'a pas trop de rapport. Tout de même. Allez, ta gueule. On perd notre temps, mon ami. Regarde bien. Hop. Voilà. C'est ce qu'on appelle un enchaînement parfait. À quoi ça sert de pousser ça? Attends. Ah, c'est... Voilà. Ouais, ils sont fous! Ah, mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Je voulais faire ça discret, moi! D'humeur à faire un barbecue là. Même pas, il me propose non mais il me propose même pas des alternatives d'infiltration quoi. Bon bah on va y aller comme ça hein. Des pilules. J'aime bien les pilules. Non, ça je m'en fiche. Moi je veux ça. OK. On récupère les munes et l'argent. Sac à butin plein. Bah oui. Bon. On s'y fera jamais. Suivez les rails pour explorer la mine. Oh punaise. Oh punaise. Bon, ils sont bien au courant. Ouais, bah c'est bon, ils savent que je suis là quoi. Ils savent que je suis là. On va pas y aller par 32 chemins. Hop, toi t'es mort. Hop, toi t'es mort.
On est bon? On est bon. Allez. On va... Oh punaise! Il a rien vu lui. Oh mince. Ah ça c'est mal joué de ma part. La seule balle qui me restait. Mais c'est pas vrai! Ah quand même! Pas possible d'être aussi nul! Allez pousse. What? Non mes frères aussi. Faut arrêter de jouer avec le feu hein. Le feu ça brûle hein. Il est mort. Faut arrêter hein. Il serait temps de grandir. Bien sûr. Voilà. Montre-moi. Montre-moi comment on se bat. Voilà. Oh des munes. Oh! Magnifique, on a un gilet pare-balles. On a récupéré un gilet pare-balles. Là, on est pas mal. Bon, je vais quand même me mettre une petite picouse. A mon avis, j'aurais pu l'économiser, mais. Je préfère ne pas mourir. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. On a fait un joli feu d'artifice là tout de même. Bonjour! Heureusement qu'on a un RPG sur nous quand même hein. Heureusement qu'on a le RPG hein. Parce que je vous dis pas, face au mastodonte, comment on aurait fait. Oh il y avait du soin ici. Bon c'est pas grave. Allez c'est pas fini. Ils sont tous à mes trousses hein. Il y a tout qui s'effondre en plus. Putain mais meurs là avec vos. Ils font chier là avec leur feu, sérieux. Voilà, cadeau. Voilà. Voilà. Qu'à faire tomber le plafond. Ah merde. Arrête. Non sérieux, je l'ai même pas eu. Genre je l'ai même pas eu. C'est hallucinant quoi. Bon ils sont où là? Loser. On va y aller à coup de quickscope hein. On s'est cru sur Call of. Hep hep hep. Hep hep hep, tu vas te détendre mon grand. Tu vas où là? Il va où là? Il est débile. Allez on récupère des munes. Super. Ah yes, il y a plein de munitions. Ok. Est-ce qu'il y en a là? On récupère, ouais, bien, bien. Des grenades, on est pas mal. On est pas mal du tout là les amis. C'est un très très bon début d'épisode, ça me plaît énormément. J'espère que vous kiffez là. J'espère que vous kiffez. Oh. Ah, ils avaient pas ça les copains. Ouais. Entrer dans la salle mystique. Personne n'y est jamais entré je crois. Et moi j'y rentre. Voilà, on va quand même se détendre. Genre je peux pas le fouiller. Non attends, ça commence à bien faire ces histoires. Il faut que je jette un truc. Chaîne en or. Grande plume, ça dégage. Je récupère ça parce que la peau... C'est génial. Merci Komodo. Et bien voilà. Ah non, sac à butin plein, je pensais que c'était pour confectionner quelque chose avec. Alors... Du tout. Oh, tout a l'air d'aller pour le mieux par ici. Y'a du parcours à faire là? Oh! Y'a vraiment du parcours à faire? What? Je crois que j'étais pas censé aller là. Voilà, je découvre les failles du jeu. Eh! Magnifique? Magnifique ou pas magnifique? Bon, on a rien à faire là. Aïe! Un cul-de-sac. Mais non, c'est pas un cul-de-sac, regarde bien. Magnifique hein cela dit. Il y avoir un moyen de l'activer.
un passage secret. Un passage secret mais des portes ouvertes aussi. Oh, une tortue. Eh, on me la fait pas à moi, hein, t'as vu ça? Magnifique. C'est quoi cette histoire là? Ok, on va pas aller là par contre. je sens pas cette histoire. Attendez, on va bien prendre notre temps de tout voir. Voilà, ce qu'on aime ça. Même si on récupère que de l'argent, c'est toujours sympa. Mais je peux pas con... Et si ça se trouve depuis le début je peux confectionner un grand sac. J'aurais bien l'air con, sac à butin. Ah non, il faut encore une peau de dingo. Ah mince. Crotte. Alors attends, lui je l'ai vu. On va éviter de gâcher trop de balles. Mais je m'en fous. Mais c'est des... C'est... Je suis désolé hein. Je suis désolé, je ne peux pas faire autrement que de revenir dans le menu. Voilà, ça c'est assez embêtant. Ah, c'est terrible. C'est absolument terrible. Mais la peau, je peux pas passer à côté, c'est ultra trop important quoi. Même pas eu peur. Voilà. Voilà. Explorer les profondeurs. Oh mais c'est pas vrai. Oh, j'ai gâché tellement de balles. J'ai gâché tellement de balles. Ok. Il y en a un là, c'est un serpent. Il est mort. Faire attention, on voit pas grand chose hein. Si vous voyez pas grand chose, c'est normal. Moi c'est pareil. Je vous rassure. Est-ce qu'on peut monter là? Pas du tout. Allez, on continue. Perdons pas non plus trop de temps. Oh genre on peut encore descendre. Ouais. Pourquoi ça me dit rien qui vaille ce truc? Mais la nature elle veut me tuer. Ah ah, je l'ai vu en plus. La nature elle veut me tuer mon pote. C'est abusé. Allez. Ok, c'est magnifique hein. Par contre j'adore. Oh, j'adore. C'est super beau. C'est super beau. Tu vas rien faire du tout toi. Bon je te récupère pas, j'ai bien compris, j'en ai marre. J'en ai marre de vider mon sac à butin. Ok. Allez, go, 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 go. On s'échappe, on s'échappe, on s'échappe. Ça me rappelle quelque chose, ça, bizarrement. Mais te retourne pas. Bah oui. Et pourquoi tu t'arrêtes à chaque fois qu'il se passe des trucs comme ça? Il est débile mon personnage. Tu es débile Jason. Jason tu es débile. Allez, on a tout ce qu'il nous faut. Cours. Cours, cours, cours. Ouais. Ok. Tu veux peut-être pas te retourner par exemple pour regarder. Voilà. Oh, oh la vache. Mais bien sûr, genre là il y a la sortie quoi.
Tu m'as collé un tracker ou quoi? Oui, t'es mon élève préféré. T'approches pas de moi. Quoi, c'est toi qui mènes la danse? C'est à ça que tu joues? Hector, il semblerait que je perds le contrôle de la situation. Tu remballes tout et... tu ouvres Kiss en deux comme un vulgaire cochon, ok? Attendez! Deux secondes. T'as dit quoi, là? C'est vous qui menez la danse. Ah. Hector, bonne nouvelle. Je pense que je reprends le contrôle. Ouais, laisse Kiss tranquille. Ouais. Alors, tu l'as retrouvé, mon couteau? J'y suis presque, ouais. Presque, monsieur. Sérieusement? D'accord, d'accord, j'y suis presque, monsieur. Vas-y, lâche le morceau de la boussole. C'est vraiment un chien, quoi. Très bien. Bon, ben moi je vais y aller. Sois prudent. Big up, hein. Big up, big up. Putain, mais c'est quoi ce contact à la con? Sans déconner. Oh! C'est beau! C'est totalement beau. Bon, bah on va retourner aller parler à Buck. On va encore le rechercher. Voilà, on fait que ça. On a un nouveau point de compétence gagné. Là, je vais me faire bouffer par un crocodile si je traverse. On connaît la chanson, mais on n'a pas le choix. Allez. Il y avait un trésor sous l'eau. Mais on va pas y prêter attention. Il y a des coups de feu. On va pas y prêter attention non plus. Ah bah si, c'est là où on va. Qu'est-ce qui se passe? Oh attends, je vais les aider. Ah bah voilà. J'ai servi à rien. Let's go! Dans ta face, sale rat. Let's go! Let's go! Hop! Moi je gâche pas des munitions hein. Par contre il y a des ennemis partout en fait. C'est quoi encore ce bail? Moi je me casse hein. Ils se débrouillent très bien sans moi. Aïe! Allez! J'ai toujours pas de l'accessoire pour réparer les voitures là hein. Je peux même pas aider les gens là, je comprends pas ce que je dois faire. Bon, allez. Juste attends parce que j'y vais à pied mais j'ai même pas regardé où c'est que c'était. Ah bah voilà, j'aurais eu plus vite fait de me téléporter bien sûr. Eh bien, on va se téléporter à cet avant-poste. On va revendre tout ce que j'ai. Et comme ça, on sera plutôt pas mal. On sera plutôt frais, voilà. C'est parti, on vend tout. Vente rapide, bien sûr. Je pense que je vais vendre aussi la peau de chien. Ça me sert à rien, frérot. Et la peau de tapir non plus, frère. Ça me prend juste de la place pour rien, quoi. Non mais c'est vrai, regardez. J'ai trop de peau. C'est un truc de ouf. Vas-y, je vends et si j'en ai besoin, je rechercherai, quoi. En tout cas, le chien, j'en ai pas besoin, ça c'est sûr. Le tapir, j'en ai pas besoin non plus. Ça, on a eu la preuve là, dans un des derniers épisodes. On en a pas besoin. Allez, allez. Forcément, c'est long. Voilà. Par contre, le jaguar, on en a besoin. Le tigre, on en a besoin. Le dingo, surtout, il nous en faut un dernier. Je vais me racheter des munitions, comme ça, on est tranquille. Et on n'est pas trop mal. Ah là là, quel enfer! Quel enfer! Incroyable. Allez. Buck, buck. Ça rime avec fuck. Et quand même vachement marrant notre Jason. Jason. Jason? Ah, des biches. Biche à ma biche. Ce serait vraiment stylé que je tombe sur les animaux que je veux là. Un petit dingo. Je sais même pas à quoi ça ressemble là en vrai, mais. Ce serait sympa. Oh, attendez! Venez, on essaye la seringue. On essaye la seringue pour courir vite, là. Utiliser. Hop! Et là, normalement... Oh, yes! Oh, c'est incroyable! Oh, les gars, c'est pas long. Ça dure 20 secondes. Ça permet d'aller rapidement à une quête. Ou de s'échapper... Ah, c'est pas mal. C'est pas mal si on est dans la merde, en vrai. Bon là en l'occurrence ça me sert à rien. Ah, ça nous a permis de gratter quelques mètres quand même. Bon, comment on fait pour passer ce merdier? Terrible. Terrible de chez terrible. Par ici. Évidemment. Oh, c'est quand même formidable. C'est quand même formidable. Allez, on est arrivé les amis.
On se régale. On se régale, ouais, je dis ça au moment où on voit des cochons. C'est génial. Très beau bananier. Et ça, c'est des palmiers. C'est ça? Je ne sais pas. Et il est en train de faire bronzette tranquillement. Ça va, il se fait pas chier le monsieur là. Il se fait pas chier. Laisse-moi récupérer là les petits trésors. Hop. Et hop. Allez, je suis à toi. Ça, le chien va. La boussole indique le bas de la pente. Quoi? Tu dis pas bonjour. Oh, c'est dommage. Nouvelle leçon. La tombe du capitaine Kang. Selon la légende, il se serait pris pour un pharaon. Il aurait forcé les natifs à construire ça avant que Zheng He ne débarque pour ruiner son empire. Personne ne savait où elle se trouvait. Mais... moi, je dirais que... bon voyage, petit. Merci, monsieur. Je peux le faire sans problème. Merci, monsieur. Bon, ben voilà. Lin Kong, je présume. Ouais. Donc, j'imagine qu'il faut sauter là-dedans. Oh. Mais on va crever là, non? Eh, on a qu'une seule vie, hein. On a qu'une seule vie. Let's go! Wouhou! Oh la vache! Même moi, j'ai cru que j'allais mourir. Trouver l'entrée. Eh bien, voilà. Magnifique. J'adore. Oh, les jolis petits oiseaux. J'adore les grottes. Ça c'était pas normal. Attendez, on va aller là, évidemment. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi. Attendez. Ça me plaît pas mal. Eh, 7 reliques sur 120, hein. En vrai, il y a moyen qu'on les trouve tous. Même si je m'en fous. Non mais là, ça va où, frérot? Ça m'intrigue tellement, mais bon, les gars... on va pas s'éloigner de notre objectif, quand même. Ce serait relou. On aura peut-être l'occasion de repasser par là. J'en ai pas la moindre idée. On va éviter de se perdre. On va éviter de se perdre. Let's go! Voilà. Je m'attends toujours à une cinématique après le chargement et... que nenni. Glissade. Oh. Oh. J'entends un chien. J'aime pas ce que j'entends. Ah! Bon, d'accord. J'ai bien compris. On n'est jamais seul. Putain, on peut pas être tranquille deux minutes. Sans déconner. Qu'est-ce qu'ils foutent ici? C'est Buck qui les a regardés? Chaleur. Y'a intérêt qu'on touche une belle prime si on trouve ce truc. J'ai besoin de pognon. C'est pas faux. Ça rapporte plus autant de pognon du contenu du coin. C'est vrai, je te connais. Maintenant, ils nous prennent un peu de temps. Enfin bon, quand même marrant d'en défoncer un ou deux. Putain d'endroit. Je vais voir. Voilà. Il est où le chien? Ah ok, ils comprennent rien à leur vie. Alors les chiens, ils vont vraiment me faire chier. Hop, et de 1. Et de 2. Alors, qui va dire quoi? Qui va dire quoi? Oh punaise, le masto. Hop, y a plus de masto. Eh, le RPG les gars, beaucoup trop important, hein. Il est là. Il est où? Il est là. Ah, vous êtes où les gars? Bon. Attends, voilà, peau de chien. Je suis là les gars. Voilà. Comment ça, il est pas mort? Vous allez mourir là, s'il vous plaît. J'ai pas que ça à faire en fait. Oh le bâtard. Oh le bâtard.
Hey, frérot. Oh, le bâtard. Bon, je vais te rejoindre, t'inquiète pas. Je vais te rejoindre, ne sois pas jaloux. Je prends juste mon temps parce que bon, les gars, on est là pour passer du bon temps. Oh là là, les petites munitions qui font plaisir. Bien sûr. Allez. Là, y a pas des petits trucs? Bien sûr que si. Allez, c'est parti. Let's go! Je suis là, mon frère! Hop! C'est moi qui te tiens, connard! Ok. Ah, ils sont plus bas. Eh, on va se détendre, j'arrive. Ils sont pressés hein, quand même. Ah oui, non mais là... Non mais là, je suis pas bon du tout, là. Là, je vais avoir un problème, messieurs. Je vais avoir un sérieux problème. Non, vraiment, je vais avoir un sérieux problème. Non, je vais vraiment avoir un problème, là. Putain de bordel. Allez! Mais c'est insupportable, en fait! Avec leur feu, tu peux rien faire. Attends. Mais bien sûr. Non mais regarde, non mais les... Oh là. Non, vas-y frère. C'est un sketch. Bon, je peux y aller, mais c'est un sketch. Laisse-moi fouiller. Il me faut des munes. Ok. Il est où? Mais c'est pas possible. Voilà. Non mais sérieusement, c'est abusé. On joue pas avec le feu, je t'ai déjà dit. C'est bon? Eh bien voilà. Sérieusement quoi. Sérieusement. Bon, on avance. On avance à notre rythme. Mais on avance, j'ai plus de munitions. Non, c'est vrai, j'ai zéro munitions là. En vrai. Putain. Ah, je vais pas récupérer une autre arme moi. Je suis trop à l'aise avec celle-là. Non mais je vais trouver des mines, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, il faut y croire. Regardez. Là à mon avis, pas du tout. Il y a zéro munitions, frérot. Il y a zéro munitions pour Bibi. Que de l'argent. Bon. Bah ouais, mais il faut que je garde ces armes là. J'ai pas d'emplacement supplémentaire. Et il faut que je garde le lance-roquette parce que face à un mastodonte, je peux rien faire d'autre. À moins que je prenne leur AK, mais... Ah ouais, mais au moins ils ont des mines. Bon, vas-y. Je vais récupérer. Là, normalement, je récupère leur mune. Ouais, je suis pas sûr. Pas le choix. Eh ben voilà, oui, c'est bon. On va devoir jouer à la K. En attendant. Bonjour. Oh, frère, il y avait des mines juste ici. Je suis dégoûté. Un gilet pare-balles. Des soins. Oh là là, je me suis fait carotte. J'aurais dû garder mon arme. Oh là, je me suis fait arnaquer. C'est des choses qui arrivent. De l'argent. Merci. Ok. De l'acide. Pas question de plonger là-dedans. Bon, heureusement que j'ai gardé sniper du coup, évidemment. Je suis vraiment nul. Hein. Je suis vraiment nul. Hein. On force le destin quand même là. Mais frère, je t'ai tiré dans la tête. Ok. Non, là ça devient crétin là. Là ça devient vraiment crétin quoi. Bah faut que je joue à la K, j'ai plus de munitions dans mon sniper après. Je descends par où moi? Commence à bien faire vos conneries. Allez, on récupère tout ce qu'on peut. Allez! En avant! Hop! Attendez! Tout va bien. Allez. Allez.
Mais mec! Oh, c'est bon, je vais péter un câble. Oh là, j'ai plus de sniper, merci à tous. Eh, arrête tes conneries, je passe au-dessus. Oh! Ok. Hop. Merci. Oh la vache, je vais avoir du mal hein, cet épisode là. Oh, c'est beau. Par contre, j'ai plus de sniper là. Formidable. Oh là là. Bon allez frère, c'est ridicule. Oh, c'est ridicule. Eh frère, sa tête, elle a 20 000 points de vie quoi, tu sais. On se fout de ma gueule quand même aujourd'hui, hein. On se fout de moi. N'hésite pas à mourir. Allez. Ok. Atteignez l'entrée de la tombe, le couteau doit être à l'intérieur. Ok, bon là au moins il n'y a pas d'ennemis normalement. Personne n'a pu venir ici. C'est magnifique. Bon, ça en valait le coup quand même. Hop. Toute cette galère en vaut le coup. Oh mais je le vois le chemin. Je le vois très bien le chemin. T'inquiète pas. Si tout se passe bien. Ça s'en souffre. Alors j'ai un gros problème d'odeur corporelle. Hop, par ici. Par là. Par ici. Et par là. Voilà. Bien. On n'est pas très mauvais là. Là. C'est de toute beauté. Exactement, si ça c'est pas la classe. Eh, je rappelle quand même qu'à la base, on faisait un saut en parachute avec nos amis, on s'est fait kidnapper, et là on se retrouve dans un temple souterrain, ça n'a aucun sens, j'adore. Alors. Ce bruit. Ah, c'est ça. Ça va. C'est quand même plus rassurant. Ok. Ah! Un peu moins sympa. Voilà, lui il a rien compris à sa life. Lui non plus. Si je descends, je peux plus revenir. Hein. J'annonce. Est-ce qu'on est bon? Ok, j'aime pas trop ces bruits. Cette histoire. Oh là, bien joué la glissade. Bien joué à moi. Allez, on y va, on y va, on y va. Waouh.
incroyable. Vous êtes pas là? Pas cette fois, mon pote. Tu l'as trouvé? Le couteau, la tombe. Ouais, j'ai le couteau. J'arrive. Rendez-vous chez moi. Messieurs, dames, on va avoir un sombre problème. On va avoir un sombre problème. Je vous... Non mais, on a un problème, les gars. Même si je comprends pas pourquoi elle le veut aussi, mais Citra, elle le veut aussi. Elle a dit qu'elle le veut et si on l'a et qu'on lui donne, elle nous aide à sauver nos potes. Bon, je sais pas pourquoi ils le veulent tous, ce couteau. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Je pense qu'on va en apprendre beaucoup plus en lui apportant le couteau, mais ça va partir en cacahuète, hein, les gars. Moi, je veux sauver mes amis, hein. Enfin, après, lui aussi, du coup, il va... Si je lui donne le couteau, il va sauver... enfin, il va pas faire de mal à Kiss. Kiss my ass goodbye. Bon, très... très folklorique, tout ça. On va s'en arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas... Wow, c'est beau quand même. Ça, sur PS3, ça n'existait pas. N'oubliez pas le pouce bleu. On va s'octroyer, on va s'accorder les petits points de compétence. On en a 3. Juste ici, par exemple... Les seringues médicales, j'ai toujours pas mes 3 barres de santé, enfin mes 5 barres de santé, c'est chiant. Qu'est-ce que je peux débloquer là? Visée précise, bon on va quand même l'accepter pour le sniper. Comme ça je débloque, rester sous l'eau plus longtemps. Et bien voilà, rester sous l'eau plus longtemps. Respiration contrôlée, stabiliser le réticule 4 fois plus longtemps. Et bien voilà. Ça c'est fait. Allez, à demain. Salut tout le monde.